Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'était un petit peu un petit peu à la dernière minute là, mais ça devrait marcher. Alors attendez, je vais cliquer là, j'espère que vraiment tout va bien marcher. Voilà, la journée était un petit peu chargée aujourd'hui, mais tout va bien. Donc qui est là? Qui est là? C'est la question. MNM19 est là et ça fait plaisir. Save the Best est avec nous. Curiosidades est là aussi. Sundar est là. Cosmina Bellou est là. Yossi est avec nous. Sapna est aussi là. Origami est avec nous. I just called est là. Bickert aussi. Berilla 71. Yulia qui est là aussi. Alama est là aussi. Alice est avec nous. Jamila est avec nous aussi. Ça va très bien. Ça va très bien, Jamila. Mais je ne manque à personne puisque je suis là. Je suis là en permanence. Johnny est là, Mouskan aussi, Morteza est là, Daria est avec nous et Béatrice Christiana est là. Bon, je vais faire le maximum pour que ça se passe bien. Encore une fois, beaucoup de touches appuyées, mais ça va aller. Allez, on attaque avec la première rubrique, si ça marche. Allez, c'est le portrait chinois. Et le portrait chinois, vous savez comment ça marche. Si j'étais un animal, je serais parce que. D'accord? Essayez de me dire, si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Mais surtout, expliquez-moi, eh bien, pourquoi? Parce que c'est ça qui est amusant. Pourquoi seriez-vous l'animal que vous avez choisi? Allez-y, une petite minute. Voilà, c'est Alama qui commence parce que c'est quelqu'un de courageux et c'est bien, je serais un bonobo, une espèce de singe effectivement, parce qu'ils ne font que de l'amour. Ils ne font pas la guerre. Très bien, Mouskan qui nous dit, si j'étais un animal, je serais un chien parce qu'ils sont si mignons. Et fidèle. Très bien. Béatrice Christiana, si j'étais un animal, je serais un chat parce que j'aime bien dormir. Kittle Kittle, si j'étais un animal, je serais un oiseau, bien sûr, pour bien voler trop haut et visiter beaucoup plus d'espace avec de petites ailes. C'est vrai. Faites attention, Kittle Kittle, L-A-I-L-E. E-S. A little bird. Si j'étais un animal, je serais un animal, parce que je suis un animal. Mais en même temps, votre nom, c'est a little bird. Donc peut-être que vous seriez un oiseau. Curiosidades. Je serais un dauphin, car malgré les difficultés, j'y vais toujours avec le sourire. Très bien. Jamila qui nous dit, chante miaou parce que j'aime dormir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ok,
aucune idée. Save the best. Si j'étais un animal, je serais un panda parce que j'aime beaucoup dormir. Daria. Depuis récemment, j'ai développé un grand intérêt et une grande affection pour les chats. C'est pourquoi je voudrais être un chat qui est aimé et soigné. Eh ben oui, si j'étais un animal, nous dit Origami, je serais un loup. Oh, parce que je serais oublié. Mais non, Origami, on a réintroduit les loups dans dans certaines régions en France. Et les loups se développent vraiment bien. Ils ne sont pas oubliés, les loups. Et ils sont dangereux. MNM19, si j'étais un animal, je serais une abeille. Parce que j'ai tellement une vie chargée en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est l'expression. Hein. Abdelila qui nous dit, si j'étais un animal, je serais un chat. Parce que j'aime, et c'est un mystère, on ne sait pas quoi. Yulia, si j'étais un animal, je serais un perroquet. Parce qu'ils peuvent répéter des questions et peut-être qu'ils peuvent avoir une réponse. C'est possible. Yossi, si j'étais un animal, je serais un oiseau. Parce que je pourrais voler où je voudrais. C'est vrai. I Just Called qui nous dit, si j'étais un animal, je serais un chien. Parce que j'aime bien les chiens. Et ça, c'est une bonne réponse. Et une bonne raison aussi. Sapna. Si j'étais un animal, je serais peut-être un panda, parce que j'aime beaucoup les pandas, parce qu'ils mangent, dorment et répètent comme moi. Je fais la même chose qu'eux pendant la pandémie. C'est peut-être ça finalement. Nous vivons comme des pandas pendant la pandémie et ça rime presque. Morteza, si j'étais un animal, je serais un loup, parce qu'il n'abandonne jamais. Berilla 71, si j'étais un animal, je serais un aigle, parce que j'aimerais pouvoir voler. Littlebot continue, si j'étais un animal, je serais un chien heureux, parce que j'aime les chiens. Bah oui. Et puis les chiens, c'est comme les chats, hein. Quand ils sont dans une bonne famille, ils ont une belle vie quand même. Cosmina Bellou, si j'étais un animal, je serais un loup. Pourquoi ? Parce qu'un jour, une petite fille m'a dit que je suis comme cet animal. Je crois que les enfants ont un sens particulier. Je ne sais pas, est-ce que c'est positif ou négatif qu'on vous dise « vous êtes comme un loup » ? Je ne sais pas. Voilà, et ça fait 3 jours de suite que nous ne voyons que des films, parce que je me dis que c'est toujours important d'essayer de transmettre ça. Et le cinéma français doit être soutenu actuellement, puisqu'il peut avoir des difficultés avec la pandémie. Donc je vous présente beaucoup de films français de 2020. Et le film du jour, c'est tout simplement Noir. Comme d'habitude, je vais vous lire, attendez, donc je dois bien sûr agrandir pour moi, je vais vous lire 3 choses sur ce film et vous allez écrire les mots qui manquent. JP est un acteur raté qui a 40 ans. Pour devenir plus populaire, il décide d'organiser une marche de contestation noire. JP est un acteur raté qui a 40 ans. Pour devenir plus populaire, il décide d'organiser une marche de contestation noire. We'll be right back.
Alors, je vois que vous êtes très très réactif. Donc, regardons maintenant. Attendez, je vais cliquer comme ça. Et donc, nous étions à la recherche de trois choses. Et la première chose, eh bien, c'était un adjectif. L'adjectif, c'est raté. Faites attention, comme c'est un adjectif, on va le mettre effectivement en fonction, eh bien, du mot auquel il est connecté. Et là, c'est acteur. Acteur, c'est masculin. Donc, raté doit être au masculin, RATE, accent aigu. Deuxième chose, c'est le verbe décider. Décider, on va le conjuguer au présent, c'est un verbe extrêmement régulier. Et donc, à la troisième personne du singulier, il décide avec un E. Et puis la dernière chose, c'était un substantif, un nom, et c'est contestation. Souvenez-vous, contestation, comme la majorité des mots en yon yon yon, c'est féminin. Donc ici, c'est une contestation. Ça, c'est juste pour votre information. On l'écrit CONTESTATION. Deuxième élément concernant ce film, qui est bien sûr une comédie, vous l'avez probablement compris. Pour pouvoir organiser cette marche, il doit rencontrer des personnes, pardon, des personnalités influentes. Pour pouvoir organiser cette marche, il doit rencontrer des personnalités influentes. Alors là encore trois choses à trouver. La première chose, c'était un verbe à l'infinitif. Et le verbe, c'est organiser. Alors faites attention parce qu'en français, c'est avec un S. Donc organiser, O-R-G-A-N-I-S-E. R. Ensuite, c'était le verbe devoir. Et le verbe devoir, eh bien, on doit le conjuguer à la troisième personne du singulier. Il doit des OIT. Et puis la dernière chose, c'était un adjectif. Alors l'adjectif, c'est influente. Donc ici, c'est vraiment le féminin pluriel parce que le mot personnalité est féminin et là, vous voyez qu'il est au pluriel des personnalités. Donc votre adjectif doit être au féminin, influente, avec un E pluriel, ES. INFLUENTE. Influente. Regardons la troisième chose concernant ce film. Ces rencontres, souvent burlesques, le font hésiter entre l'envie d'être populaire et un véritable engagement militant. Ces rencontres, souvent burlesques, le font hésiter entre l'envie d'être populaire et un véritable engagement militant. Alors, Sapna pose une question, est-ce qu'on peut utiliser deux verbes infinitifs ensemble? Oui,
Imaginer, je veux dire là, pouvoir organiser, oui. Il faut pouvoir organiser. Si vous pensez à cette structure, il faut, verbe conjugué, deuxième verbe, pouvoir, infinitif, troisième verbe, organiser. Il faut pouvoir organiser. Là, Sapna, vous avez une structure avec trois verbes, un conjugué, deux infinitifs. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, eh bien, c'était un adjectif. L'adjectif, c'est burlesque. Alors ici, burlesque, à la base, vous l'écrivez Burlesque. Ça, c'est la forme basique, c'est-à-dire la forme masculine au singulier. Ensuite, vous allez rajouter un S, puisque ici, vous avez le pluriel. Donc burlesque au pluriel. Deuxième chose, eh bien c'est un substantif, c'est un nom. Une envie, donc c'est féminin pour votre information. Et donc ici on écrit envie, E-N-V-I-E. Et puis la dernière chose, c'est un adjectif. Et l'adjectif c'est militant. Militant, on l'écrit Militant. Donc ça, c'est la forme masculine de votre adjectif parce que engagement, c'est masculin. D'accord? Un engagement militant ANT. D'accord? Allez, s'il vous plaît, comme chaque fois, vous allez lire avec moi parce que vous le savez, lire à voix haute, c'est la meilleure méthode pour mémoriser les choses. Première chose, JP est un acteur raté qui a 40 ans pour devenir plus populaire. Il décide d'organiser une marche de contestation noire. Deuxième chose, pour pouvoir organiser cette marche, il doit rencontrer des personnalités influentes. Troisième chose, ces rencontres, souvent burlesques, le font hésiter entre l'envie d'être populaire et un véritable engagement militant. Et nous continuons, youpi youpi, avec le portrait chinois. Si j'étais une ville, je serais. Parce que, allez-y, une minute. Et c'est Jamila qui commence et qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Dubaï, parce que Dubaï est
Belle, très bien. Kittle Kittle qui nous dit, si j'étais une vie, je serais Utopie. La fameuse ville où nous voudrions tous habiter. Et donc Kittle Kittle nous explique parce que c'est la seule place, peut-être le seul endroit sans guerre. Eh oui. Et ça, c'est vrai. Yossi qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Paris parce que beaucoup de touristes la visitent. Alors actuellement, Yossi, Paris est un petit peu calme. Il n'y a pas beaucoup de touristes en ce moment. Mais bon, ça va changer. Julia, si j'étais une ville, je serais ce que vous aimez parce que moi, je ne sais pas. Eh bien, très bien. Fancy qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Milwaukee parce que Milwaukee est la ville des festivals et j'aime les festivals. Très bien, Fancy. Nouha qui nous dit, si j'étais une ville, je serais Paris parce que Paris est parmi les plus belles ville. Très bien. Béatrice Christiana, si j'étais une ville, je serais Paris parce que je suis une personne romantique et j'aime bien la mode. Mr. Peter, si j'étais une ville, je serais Vienne parce que c'est bien organisé, propre et très beau. Alors faites attention, Peter, quand vous mettez la structure avec c'est, même si vous parlez d'une ville, tous les adjectifs sont au masculin. Hein. La règle grammaticale, avec c'est, vous mettez le masculin. Donc c'est bien organisé et c'est propre, c'est beau, d'accord, BEAU. Bickert, si j'étais une ville, je serais Rome, parce que la ville est intéressante, magnifique, historique, culturelle et on mange bien. Cosmina Bellou, si j'étais une ville, je serais Vienne, parce que j'aime la rigueur, la discipline et la propreté. Et peut-être à Vienne, il faut valser. Est-ce que vous aimez la valse? Les fameuses valses de Vienne. Sapna, si j'étais une ville, je serais Alors attendez, Outrakhand, c'est une ville qui existe en Inde. C'est une ville très magnifique. Les montagnes, la mer, la rivière là-bas, et elle s'appelle aussi la ville de Dieu et de la nature. Très bien. Alors attendez, Outrakhand, Okhand, très bien, excusez-moi pour la prononciation. Daria, si j'étais une ville, je serais Kiev parce que c'est une ville ancienne et belle, pardon, oui, parce que c'est ancienne. Alors faites attention, Daria. Si vous dites c'est, vous êtes obligé de mettre tout au masculin, comme Peter. C'est ancien et beau. C'est une ville ancienne et belle, c'est un petit peu différent. Save the best. Si j'étais une ville, je serais Monaco parce qu'elle est belle. Alama. Si j'étais une ville, je serais Singapour parce que c'est ma ville d'origine. Kittle Kittle, si j'étais une ville, je serais Paris. Ah, pardon. Non. Ah non, Kittle Kittle dit, Paris n'est pas romantique du tout. Peut-être Toulouse ou Marseille sont romantiques, je suis pas sûr. Alors, Kittle Kittle. Kittle Kittle n'aime pas Paris. Ou en tout cas, Kittle Kittle pense que Paris n'est pas romantique. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Chaque personne peut décider du degré de romantisme des villes qu'ils aiment. Et puis voilà, c'est plus simple. Allez, nous continuons bien sûr avec encore un film. Et le film, c'est une comédie qui s'appelle Ta Pécho. Alors, Ta Pécho, on y va. On va découvrir Ta Pécho en trois points. Et la première chose que vous voyez ici, donc comme d'habitude, je vais vous lire les choses et vous allez les écrire, s'il vous plaît. Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Wassima, qui malheureusement ne le regarde même pas. Arthur, 15 ans, a
un coup de foudre pour Wassima qui malheureusement ne le regarde même pas. Alors, trois éléments, comme d'habitude. Eh bien, la première chose, c'est un substantif et c'est la foudre. Alors, l'expression hein, « avoir un coup de foudre », c'est quand vous voyez quelqu'un et vous tombez amoureux dès la première seconde. Donc ici, « foudre », on l'écrit « F-O-U-D-R-E ». Ensuite, c'est un adverbe. L'adverbe, c'est « malheureusement ». Alors, regardez, « malheureusement », donc l'idée, c'est que vous prenez l'adjectif « malheureux ». Vous mettez l'adjectif au féminin « malheureuse ». Et ensuite, vous allez rajouter « ment ».« Malheureusement ». Eh bien voilà, c'est l'adverbe qui correspond à l'adjectif malheureux. Et puis la dernière chose, c'était même, M-E, accent circonflexe, M-E. Très bien, ici, Yossi, hein, pour votre information, l'accent circonflexe doit rester ici puisqu'on le prononce. Hein, même, d'accord. Donc là, on ne le supprime pas et on ne discute même pas de l'option de le supprimer. Deuxième chose, s'il vous plaît. Arthur n'a jamais pécho, mais Wassima, elle, sort avec Matt. Matt est le beau gosse du collège. Arthur n'a jamais pécho. Mais Wassima, elle, sort avec Matt. Matt est le beau gosse du collège. Alors, nous étions à la recherche de trois éléments ici. La première chose, eh bien, c'est l'adverbe « jamais ». Jamais, en général, vous l'écrivez bien. Quitole, quitole, attention, il faut être un petit peu plus généreux. M-A-I-S, d'accord ? J-A-M-A-I-S, vous avez oublié le A. Donc, les autres, oui, c'était bien écrit. Attention, M&M 19, I et A, c'est dans l'autre sens, hein. Alors, je regarde le reste. Très bien. Alors, il y en a qui dit, mais qu'est-ce que c'est pécho ? Qu'est-ce que c'est pécho ? Alors, pécho, c'est du verlan. Et Kitol Kitol pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pécho ? Donc, pécho, c'est du verlan. Ça veut dire que c'est le verlan de choper. Et choper, c'est du français familier pour dire que vous avez eu un petit ami ou une petite amie, un copain ou une copine. Donc Arthur n'a jamais pécho, ça veut dire que Arthur n'a jamais eu de copine. Il n'a jamais eu de petite amie. Donc, ben voilà, ça c'était la réponse.
Pour le deuxième, c'est le verbe sortir, hein, puisque wasima sort, troisième personne du singulier, S-O-R-T. L'expression sortir avec quelqu'un, c'est tout simplement être ensemble. Hein, ça ne veut pas vraiment dire sortir, aller à l'extérieur, mais ça veut dire être avec cette personne. Matt est le copain de Wasima. Wasima est la copine de Matt. Ça, c'est l'expression sortir avec quelqu'un. Et puis la dernière chose, gosse, G-O-S-S-E. Et quand on parle de beau gosse, un beau gosse, eh bien, c'est un garçon qui est beau. Hein, c'est le garçon qui est peut-être le plus beau dans le collège. Voilà. Alors, on continue avec la troisième chose. Regardez. Pour pouvoir s'approcher d'elle, Arthur décide de proposer des cours de péchotage à des jeunes qui sont seuls. Pour pouvoir s'approcher d'elle, Arthur décide de proposer des cours de péchotage à des jeunes qui sont seuls. Allez-y. Alors voilà, Julia demandait est-ce que on peut dire que je suis un gosse ? Non, non, non. La seule personne qui a fait ça, c'est ma fille. Ma fille m'a offert un t-shirt et c'était marqué beau gosse. Et c'est un t-shirt que je porte avec grand plaisir. Mais non, je suis trop vieux pour être un gosse. En général, quand on parle de gosse, c'est vraiment quelqu'un qui est jeune. Alors ici, la troisième chose, regardez, on avait trois choses. La première, c'est un verbe et c'est l'infinitif. Ici, c'est le verbe s'approcher. Hein. Donc, on est d'accord qu'il y a le S apostrophe. Là, je vous demandais d'écrire approcher. Donc, A-P-P-R-O-C-H-E-R. Deuxième chose, c'est le verbe décider. Ici, on va le conjugué à la troisième personne du singulier, hein, puisque c'est Arthur. Hein. Arthur décide avec un E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'était un substantif. Un jeune, une jeune, ici c'est le pluriel, des jeunes. Hein. Souvenez-vous que jeune, c'est intéressant, on peut l'utiliser comme adjectif. Hein, mais on peut aussi l'utiliser comme substantif, comme nom. Et donc, vous pouvez mettre le masculin, un jeune, vous pouvez mettre le féminin, une jeune, et ici, on a le pluriel des jeunes. Et donc, bien sûr, jeune avec un S à la fin. Allez, s'il vous plaît, lecture avec moi pour ces trois éléments de taper chaud. Première chose, Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Wasima qui malheureusement ne le regarde même pas. Deuxième chose, Arthur n'a jamais pécho. Mais Wasima, elle,
sort avec Matt. Matt est le beau gosse du collège. Troisième chose, pour pouvoir s'approcher d'elle, Arthur décide de proposer des cours de péchotage à des jeunes qui sont seuls. Et le portrait chinois continue. Vous allez me détester, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais mon travail, messieurs, dames. Je fais mon travail. Si j'étais un objet, je serais... Parce que, comme d'habitude, choisissez un objet, mais c'est surtout comment vous expliquer, pourquoi, etc., etc. Ok ? Allez-y, une petite minute, s'il vous plaît. Merci. Oh, un grand merci à Omar K, un grand merci à Omar K qui me supporte. C'est très gentil, bravo, bravo, gloire à Omar K, merci beaucoup. Alors, je crois que la première, c'est Bickert. Et Bickert qui nous dit « Si j'étais un objet, je serais une tablette parce que toutes les choses seraient dans mon cerveau. » Mais c'est pas bête, hein, c'est très intelligent. Curiosidades qui nous dit « Je serais un couteau suisse parce que j'aime être très utile dans toutes les situations. » Très bien. Jamila qui nous dit « Si j'étais un objet, je serais un portable parce que je voudrais chaque chose. » D'accord. Kittle, Kittle. « Si j'étais un objet, je serais un grand avion qui peut voler avec beaucoup de voyageurs pour des longues distances. » Lorsi qui nous dit « Si j'étais un objet, je serais un stylo parce que tout le monde a besoin d'un stylo. » Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que même si on a des téléphones, des tablettes, après, ça dépend des personnes. Moi, j'aime bien avoir un stylo ou plusieurs toujours sur moi. Noura qui nous dit « Si j'étais un objet, je serais un volcan. » Ouh, parce que je suis impatiente, en colère et pas facile à comprendre. Ah, faites attention parce que les volcans peuvent détruire aussi ce qui se trouve à côté. Omar K qui dit merci. Ben non, Omar K, non, 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 non. C'est moi qui vous dis un grand merci, Omar K. Merci, merci. Alama, si j'étais un objet, je serais un journal intime parce que tout le monde passe leur colère avec moi. Leur colère et en même temps, c'est une sorte de confident, le journal intime. On dit des choses qu'on ne dit peut-être pas aux autres. Sundar, si j'étais un objet, je serais des stylos parce que tout le monde les respecte. Mais les stylos gratuits, en général, ils passent de main en main. Yossi, je serais une table parce qu'on l'utilise chaque jour. C'est vrai aussi, mais il y a des grandes différences entre les tables. Est-ce que vous êtes une table de nuit? Est-ce que vous êtes une table à manger? Est-ce que vous êtes une table dans la cuisine? Est-ce que vous êtes une table basse dans le salon?
elles n'ont pas le même statut, ces tables, quand même, hein. Il y a une hiérarchie dans la vie des tables. Yulia, si j'étais un objet, je serais une pierre dans le jardin japonais parce qu'elle est au Japon et elle reste là tranquillement. Daria, si j'étais un objet, je serais un stylo. Si vous perdez votre stylo, vous n'aurez plus de notes, pas de connaissances, pas de bonne profession, pas d'amour. Célibataire et dépressif ou dépressive. I just called. Si j'étais un objet, je serais un portable parce que tous les gens aiment leur portable. C'est possible, c'est possible. Catherine qui nous rejoint. Bonjour Catherine, participez s'il vous plaît. Sapna, si j'étais un objet, je serais une voiture. Parce que grâce à ça, je peux voyager partout où mon patron visite. D'accord? Vous êtes avec votre patron? Non! Yossi qui nous dit une table à manger, monsieur. Et là, je suis d'accord. Yossi, je suis d'accord avec vous. La table à manger, c'est probablement la reine des tables. Probablement. Nouha qui nous dit une question, quand est-ce qu'on peut dire parce que, car... Alors, Noura, j'ai fait des vidéos à ce sujet et je vous invite à les regarder parce que là, ce serait un petit peu long de commencer à expliquer ça. Je suis désolé, mais il y a des vidéos, hein. Clairement, j'ai déjà exploré le sujet. Amira, si j'étais un objet, je serais un livre parce que c'est très utile et il y a beaucoup d'informations. Alama, une question de style. Cosmina, si j'étais un objet, je serais une caméra de surveillance parce que je serais monté à la hauteur dans ma tranquillité et en plus j'aurais de la chance de ne pas m'ennuyer. Bon, ça dépend. J'imagine qu'il y a des caméras de surveillance. Pas très intéressant de voir ce qu'il filme. Kittle, Kittle, je peux être un petit diable si vous voulez. Yossi, après, ça discute entre vous. Hein. Et le film du jour, c'est adorable. Une famille au bord de la crise d'ado. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez été dans cette situation. Moi, je l'ai vécu et je peux vous dire que c'est intéressant. Nous commençons, bah, comme d'habitude, avec le premier point. Emma et Victor sont les heureux parents de Lila qui va fêter ses 14 ans. Emma et Victor sont les heureux parents de Lila qui va fêter ses 14 ans. Alors ici, on a la recherche de trois éléments, comme d'habitude. La première chose, c'est un adjectif et c'est heureux. Alors heureux, clairement, il est connecté ici à parent, qui est le deuxième mot que vous deviez trouver. Parent, c'est masculin pluriel, hein, et donc l'adjectif doit être au masculin pluriel, HEUREUX. Souvenez-vous, heureux, si c'est au masculin singulier ou au masculin pluriel, c'est la même forme, d'accord? HEUREUX. Mais en tout cas, c'est clairement ici masculin parce que parent, c'est masculin. Donc le deuxième mot, c'était parent. Parent, on l'écrit au pluriel ici. PARENTS. D'accord?
par an. On ne prononce pas le T, on ne prononce pas le S, comme d'habitude. Donc ici, vous avez heureux, notre adjectif, par an, notre substantif. Et puis le troisième mot que nous cherchions, c'était un verbe à l'infinitif, et c'est fêter. Alors là encore, hein, spécial pour Yossi. Yossi, c'est le spécialiste de l'accent circonflexe, mais il les écrit aussi. C'est un grand spécialiste de l'accent circonflexe, et je respecte ça. F-E, accent circonflexe, T-E-R. D'accord ? Fêter, et on prononce bien le « e-e-e » pour l'accent circonflexe. Fait, fait. Alors Sundar qui dit « heureux », c'est difficile à prononcer. Sundar, ça dépend de votre langue maternelle. En fait, quand vous regardez le mot « heureux », évitez de regarder le mot « heureux ». Essayez de visualiser juste dans votre tête deux sons. Le premier son, c'est « e » et le deuxième son, c'est « r ». Vous allez voir après que vous avez « e », « r », « e ». Le « e », vous le prononcez deux fois. « Heureux ». Donc, ne regardez pas le H, ne regardez pas le X, ne regardez pas le EU, juste fermez les yeux, visualisez cette combinaison. Heureux, heureux. Et après, vous allez voir, c'est assez facile à prononcer. Deuxième chose concernant ce film, qui est là aussi clairement une comédie. Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant qui était parfaite à une adolescence qui est une adolescente qui est insupportable. Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant qui était parfaite à une adolescente qui est insupportable. Alors, première chose ici, c'était un substantif, un nom, et c'est crise. Alors ça, en général, vous l'écrivez bien. Donc, crise, C-R-I-S-E, là, il n'y a pas trop de problèmes. La deuxième chose, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est parfaite. Alors ici, regardez, hein, parce qu'effectivement, ici, nous parlons d'un adjectif qui est lié à une enfant. Et vous voyez que une, ici, c'est effectivement le féminin, puisque nous parlons de Lila. Lila est une fille. Donc, nous devons mettre notre adjectif parfait au féminin. Parfaite, avec un E. Et puis, le dernier, c'est un adjectif encore, et c'est insupportable. Table. Alors c'est intéressant parce que réfléchissez, le verbe c'est supporter. Après ça, vous allez mettre le able. Able, c'est-à-dire c'est ce suffixe qui veut dire c'est possible de supportable, c'est possible de supporter. Et maintenant, on va mettre le préfixe un qui est le contraire, un
supportable, c'est-à-dire c'est impossible de supporter cette personne. Donc ici, insupportable, notre adjectif, il sera au masculin ou au féminin, ce sera la même forme, puisque ça finit avec un E. D'accord ? Donc insupportable, INSUPPORTABLE. C'était long. Allez, on attaque avec la troisième chose, si vous voulez bien. Je lis et vous écrivez comme d'habitude. Victor tente de calmer les tensions entre la mère et la fille. Mais la guerre est déclarée et tous les coups sont permis. Victor tente de calmer les tensions entre la mère et la fille. Mais la guerre est déclarée et tous les coups sont permis. J'ai personnellement été dans cette situation et c'est une situation très, très intéressante. Alors regardez, on a trois choses ici à trouver. Alors la première chose, c'est intéressant parce que c'est un verbe. Le verbe, c'est tenter. Et donc on l'écrit T-E-N-T-E-R. Le verbe tenter, en fait, est synonyme du verbe essayer. Hein, vous essayez de faire quelque chose, vous tentez de faire quelque chose. C'est tout simplement un synonyme. C'est un verbe régulier. Donc, si vous le conjuguez à la troisième personne du singulier, eh bien, finalement, vous écrivez T-E-N-T-E. Victor tente de calmer, signification Victor essaie de calmer. C'est la même chose. Ok, c'est synonyme. Deuxième chose, c'est un substantif et c'est la guerre. Alors ça, en général, malheureusement, tout le monde l'écrit bien. Guerre, on écrit effectivement G-U-E-R-R-E. Donc vous avez le double R donc qui ouvre la prononciation du E. Et donc c'est la raison pour laquelle vous prononcez guerre. Et puis la dernière chose, en fait, eh bien, c'est permis. Et ici, ce qui est important, c'est de voir que le mot coup, un coup, c'est masculin pluriel. Et donc ici, ce sera permis, P-E-R-M-I-S. Donc on le laisse au masculin pluriel. On ne va pas mettre le féminin à la fin de permis. Regardons ensemble les trois éléments de ce film, qui est une comédie encore, et vous sentez que ça va être intéressant. Première chose, Emma et Victor sont les heureux parents de Lila qui va fêter ses 14 ans. Deuxième chose, Lila commence sa crise d'ado et passe d'une enfant qui était parfaite à une adolescente qui est insupportable.
Troisième chose, Victor tente de calmer les tensions entre la mère et la fille. Mais la guerre est déclarée et tous les coups sont permis. Et voilà, c'était notre cours pour aujourd'hui. J'espère que c'était sympathique. En tout cas, pour moi, c'était très, très, très agréable. Demain, c'est très, très spécial. Demain, c'est spécial parce que, en fait, j'ai commencé à faire ces cours en direct, ces cours live. Quand on a commencé à avoir des problèmes avec le Covid. Et donc j'avais décidé de faire les cours en direct. Et demain, c'est très très symbolique parce que demain, c'est la centième émission. Ça veut dire que pendant cette période un petit peu bizarre que nous avons eue avec la pandémie, eh bien, j'ai eu l'occasion de faire 99 émissions en direct avec vous. Et donc, demain, c'est l'émission numéro 100. Rendez-vous demain. Invitez vos amis, invitez toutes les personnes que vous connaissez, si vous voulez. Et puis, écoutez, on fera comme d'habitude, on essaiera de passer du bon temps ensemble. Merci beaucoup, merci beaucoup. Passez une bonne journée, matinée, soirée ou nuit, où que vous soyez.